Yes! Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler du fameux Gémeaux Boléen, autrement appelé le 347 Dynastie de Vesta. Donc vous êtes très nombreux à nous avoir demandé sur plusieurs de nos précédentes vidéos comment nous avions fait pour l'obtenir et vous allez voir que c'est extrêmement facile. Alors, il s'agit d'un fusil éclaireur qui va vous permettre d'obtenir un bonus d'armure si vous ratez vos coups critiques sur un ennemi ou encore un bonus de précision si, au contraire, vous les réussissez. Une arme exotique de niveau 290 dont nous allons détailler les étapes pour l'obtenir et vous allez voir que c'est très très simple. Donc il faut dans un premier temps réaliser l'intégralité des quêtes de l'Ire de la Reine, donc la première étant Contre les Corrompus, une quête qui vous est donnée par Petravenge, dans laquelle on vous demandera d'éliminer des champions corrompus sur différentes planètes Terre, Mars, Vénus, en exploration, en mode patrouille. Puis vous retournez sur le récif, vous validez votre quête et vous rendez visite à Varix qui vous demandera à son tour d'effectuer une nouvelle quête du nom des loups martiens, dans laquelle notamment on vous demandera d'éliminer Keldar, le fameux prêtre archonte, pour lequel nous avons réalisé une vidéo précédemment. Enfin, si vous êtes rang 3 de l'Ire de la Reine et c'est impératif, la quête de l'espoir retrouvé à nouveau présente chez Petravenge débloquera alors, si cela n'est pas le cas, effectuer par exemple un retour en orbite ou patienter un petit peu, il vous suffit d'être simplement rang 3 pour que la quête se débloque. Donc une quête dans laquelle notamment on vous demandera de combattre un champion dans la cour d'Oryx à l'aide d'une rune, une étape dans laquelle vous gagnerez une relique qui se nomme la broche de Tekken et qu'il faudra rapporter pour terminer à Petravenge en échange de quoi elle vous donnera les fameux Gémeaux Boléens. Donc voilà, vous avez l'intégralité des étapes à réaliser pour obtenir cette arme exotique qui est ma foi vraiment très intéressante et que je vous recommande. J'espère que ce petit tuto vous sera utile pour avancer un petit peu dans cette nouvelle extension du Roi des Corrompus. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde!